Chers Ouïghouas, chers Ouïghouas, la mort de Naël hier matin est un drame absolu. Personne ne peut le contester. D'abord, je pense, comme vous toutes et vous tous, à sa famille, à ses amis. Je pense aussi à mon collègue de Nanterre qui est confronté à cette horrible affaire. Comme vous, j'ai vu les images. Elles sont choquantes. Personne ne le conteste. Mais il faut garder son calme et à Nanterre, comme à Rueil, comme à Suresnes d'ailleurs. Je suis en contact avec mon collègue Patrick Jarry, avec mon collègue Guillaume Boudy, les deux maires de Nanterre et de Suresnes. Et nous sommes tous les trois convaincus qu'il faut tout mettre en œuvre pour éviter des débordements qui ne peuvent que créer des difficultés supplémentaires. À Rueil, nous avons eu des incidents dans la commune cette nuit, comme à Suresnes. Bien sûr, moins qu'à Nanterre, mais des incidents quand même que je considère comme graves. Il faut que cette nuit, chacun et chacune puisse veiller à ce que les adolescents qui ont l'habitude d'être dehors soient prudents et qu'ils évitent de se regrouper pour participer à toute tentative de débordement qui pourrait avoir lieu. Les forces de l'ordre seront présentes, elles seront vigilantes. Et elles feront leur travail. Il ne faut en rien faire en sorte d'aggraver les choses. J'ai tenu ce matin une réunion de sécurité avec mon adjoint Denis Gabriel, avec le commissaire de police de Rueil, et nous avions l'ensemble des services de la ville présents pour que chacun soit motivé dans la mission qui est la sienne aujourd'hui, cette nuit, demain, jusqu'au moment où le calme sera revenu pour faire en sorte que Rueil soit apaisé au mieux. Donc je vous fais confiance à chacune et chacun d'entre vous. Moi, je salue l'appel au calme qu'a fait mon collègue Patrick Jarry à Nanterre. Je me permets moi aussi, à Rueil, de lancer un appel au calme. Bien sûr, d'abord aux jeunes, ce n'est pas en cassant qu'ils régleront les problèmes, c'est la justice qui doit le faire. Et puis j'appelle au calme les familles qui doivent contrôler leurs enfants pour éviter que tout ceci dégénère. Je vous tiendrai au courant de l'évolution des problèmes si d'aventure cela venait à s'aggraver. Sachez que je suis avec toute mon équipe, nous sommes vigilants pour éviter que les choses ne se dégradent.